Je vais coudre une housse de ouais, couette et housse d'oreiller pour un lit d'une personne, taille de 90 cm sur 190 cm. Couette et 140 cm sur 200 cm. Pour cela, je prends deux morceaux de tissu de 150 cm sur 250 cm. L'oreiller est 57 sur 57 cm. Pour cela, d'un côté, je prends 67 cm, d'autre côté, 1 mètre. Morceau de tissu de 180 cm sur 6 mètres. Pour cela, je prends un côté 150 cm sur 5 mètres pour ma couette et le reste de 1 mètre sur 140 cm pour mon oreiller. C'est un tissu de 6 mètres sur 1,83 cm. Donc j'ai plié en 6 et je l'ai mesuré 150 d'un côté pour faire la première coupe. Voilà. Parmi sur 6 mètres sur 1,50 tissu, j'ai coupé 1 mètre pour le housse d'oreiller et le reste pour le housse de couette. Il nous suffit de coudre. J'ai commencé le premier de rouler. Depuis ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur. Bonjour Caroline Félix. Bonjour Agathe. Il faut en tout cas, en plus de cette attestation, pour pouvoir calculer la distance des 100 km, eh bien un document qui indique votre lieu de résidence. Oui, pensez à bien emmener un justificatif de domicile. Par... J'ai terminé les housquettes. Il me suffit de juste plier. Et voilà. Et avec des coussins, tout simple. Et voilà, c'est fini une demi-journée de boulot. Bisous, à la prochaine!